l'avènement du prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui ainsi que sa sainte famille. Puis le Seigneur envoya Muhammad, que son nom et celui des siens et compagnons soient bénis. Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui ainsi que sa sainte famille. Accomplit ainsi la promesse faite par les prophètes, ses prédécesseurs. Dieu en fit le couronnement des prophètes. Il le rendit illustre par sa naissance et ses vertus. La terre était, lors de l'avènement du prophète, partagée en sectes gouvernées par les passions et engagée dans des voies diverses. Les unes confondaient le Créateur et les créatures, les autres niaient le Créateur ou adoraient d'autres dieux. Grâce au prophète, Dieu tira les hommes de leur égarement, fit dissiper l'ignorance. Puis, pour honorer le prophète, le récompenser de sa loyauté, le tirer de ce monde éphémère d'épreuves vers le séjour éternel, Dieu le rappela auprès de lui. À l'instar des autres prophètes, Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui ainsi que sa sainte famille, laissa son message aux nations et leur traça un chemin éclairé par la foi et la sagesse.